Aujourd'hui, je vais te parler du meilleur investissement au monde. Un investissement qui peut te rendre très riche. Un investissement qui peut t'apporter des rendements de près de 1000%, voire même plus. Des rendements même à l'infini. Je dois te dire, bah, c'est quoi ce type d'investissement? Est-ce que c'est de l'immobilier? Est-ce que c'est de la bourse? Est-ce que c'est de la crypto-monnaie? Est-ce que c'est de l'entrepreneuriat? Si tu veux savoir, je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo et crois-moi, tu ne seras pas déçu. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube. On a pour défi de dépasser les 100 000 abonnés. Donc, si tu veux nous aider à atteindre cet objectif-là, sache que à chaque fois qu'il y a un nouvel abonné, on offre 1$ à une association caritative. Si tu veux faire partie de ce mouvement, tu sais ce qu'il te reste à faire. Et surtout, laisse des commentaires, like la vidéo et partage-la à toute personne qui souhaite justement apprendre de nouvelles sources d'investissement, comment investir et surtout comment se bâtir une sécurité financière sur le moyen et long terme. Donc, dans cette vidéo, je me retrouve une fois de plus dans mes bureaux au centre-ville de Montréal. Aujourd'hui, on va parler d'investissement à haut rendement. On va même dire investissement à rendement explosif. Accroche-toi parce que ce n'est pas de l'immobilier, ce n'est pas de la crypto-monnaie, ce n'est pas de la bourse et c'est encore moins de l'entrepreneuriat, ni de l'agriculture, ni de ce que tu veux. C'est tout simplement les connaissances. Oui, tu dois te dire, comment ça les connaissances? Les connaissances et surtout des compétences, c'est-à-dire le fait d'acquérir des compétences, c'est ça qui va te générer du revenu. Le fait d'acquérir des compétences en marketing va te générer des revenus en marketing. Le fait d'acquérir des compétences dans un domaine comme peut-être le chant va potentiellement faire de toi un grand chanteur. Le fait d'acquérir des compétences en entrepreneuriat va te permettre potentiellement de créer une belle entreprise. Le fait d'avoir des compétences en immobilier va te permettre d'investir en immobilier. Bienvenue au club parce qu'ici, on ne parle que d'immobilier. Bon, pas que d'immobilier, mais également d'entrepreneuriat et de mindset de manière générale. Mais qu'est-ce que je veux te dire par là? C'est que aujourd'hui, le meilleur moyen pour toi d'avoir un retour sur investissement, c'est d'acquérir de nouvelles connaissances et de nouvelles compétences qui vont te permettre de générer plus de profit. Oui, je suis un vendeur de formations en ligne. Oui, je vends des formations en ligne. Et je gagne également de l'argent grâce à la vente de formations en ligne. Ok? Moi-même, je suis un très grand consommateur de formations en ligne parce que les connaissances que je te partage en immobilier, bien évidemment, je les ai apprises de par mon expérience, mais également de personnes plus expérimentées que moi. Donc, laisse-moi te donner un peu des retours sur investissement que j'ai pu avoir grâce notamment à des formations que j'ai suivies. Donc, il y a de cela quelques années, j'ai commencé avec un investissement minime qui est tout simplement un livre. C'était le livre de Robert Kiyosaki qui s'appelle « Père riche, père pauvre » que tu connais très certainement si tu suis ma chaîne. Je ne l'ai même pas acheté, je crois que j'ai un ami qui m'a envoyé une version PDF, donc je pense qu'il avait piraté ça, donc ça ne m'a rien coûté. Mais ce livre-là, qu'est-ce que ça m'a fait? Ça m'a donné un déclic qui m'a fait comprendre ce que c'est que la liberté financière. Donc imagine, j'avais acheté ce livre à, je donne un exemple, même si j'avais acheté ce livre à 20$, si j'avais acheté ce livre à 20$, le fait de prendre conscience qu'il existe une autre voie que par exemple le 9 à 5, qu'il existe une autre voie d'enrichissement, que le métro, boulot, dodo, tu peux t'en échapper si tu mets des choses en place, le fait de prendre les connaissances de ce livre-là, de prendre conscience et de voir que c'est réalisable pour moi, regarde le retour sur investissement que c'est possible d'avoir. Une fois que tu prends conscience de quelque chose, tu te rends compte que c'est possible et tu mets en place les actions qui vont te permettre d'atteindre cet objectif. Donc aujourd'hui, par exemple, un livre de 20$ peut te rapporter sur le temps plus $1 million. Si tu prends un livre qui t'enseigne comment investir en immobilier et que tu passes à l'action, et si tu regardes qu'est-ce qui a fait en sorte que tu investisses en immobilier, ça peut être ce livre-là. Bah, le retour sur investissement, il est incroyable. Même, par exemple, cette chaîne YouTube, à l'époque, j'ai payé une formation qui m'avait coûté à peu près 2 000 euros de quelqu'un qui a une grosse chaîne YouTube. Et c'est lui qui m'a appris comment faire des vidéos YouTube, comment monétiser sa chaîne YouTube, comment créer une communauté, comment proposer des produits et services à travers des chaînes YouTube, comment se mettre en avant ses services, ses produits. 2 000 euros, la formation. Aujourd'hui, on regarde cette chaîne YouTube. On a l'une des plus grosses chaînes YouTube, en tout cas au Canada francophone, spécialisée en investissement immobilier et en entrepreneuriat. Et oui, cette chaîne YouTube est une source de revenus pour moi, mais regarde juste le retour sur investissement. Imagine, j'ai un service que je vends, par exemple, à 3 000 $. OK? 3 000 $, imagine, je le vends à 10 personnes au travers de cette chaîne YouTube-là. 3 000 fois 10, ça fait 30 000. Regarde le retour sur investissement par rapport à la formation YouTube que j'ai suivie qui m'a coûté 2 000 €. Je te laisse faire le calcul. C'est pour te dire quoi? C'est pour te dire que le meilleur retour sur investissement que tu vas avoir, c'est les connaissances que tu vas mettre dans ta tête, les compétences que tu vas développer. Le mélange de ces deux-là peut te faire gagner énormément de revenus, peut t'assurer une certaine sécurité financière. Ok? J'ai fait une vidéo récemment
sur les quatre niveaux de richesse ou sur les quatre niveaux de compétences. Tu as les compétences manuelles, tu as les compétences. Donc les compétences manuelles, c'était quoi? Si, pour te faire un petit récapitulatif, les compétences manuelles, c'est le fait par exemple de, tu vas par exemple être serveur. On est d'accord, si tu es serveur, tu ne peux pas servir tout le monde. Pourquoi? Parce que physiquement, tu es limité au fait de servir 1000 personnes qui vont te donner un pourboire par exemple de 100 dollars. Tu ne peux pas servir 1000 personnes en même temps. Okay. Tu as les compétences managériales. Les compétences managériales, c'est des compétences par exemple qui vont t'apprendre à gérer une équipe, qui vont t'apprendre à encadrer des projets, etc. Et tu as un troisième type de compétences qui peut te rapporter beaucoup d'argent, c'est le fait de parler. Quand j'ai le fait de parler, tu dois te demander de quoi je parle. Quand parler, c'est le fait d'avoir une bonne communication, le fait de pouvoir mettre en avant tes produits, te mettre en avant toi-même, le fait de pouvoir convaincre des personnes d'acheter tes produits, le fait de pouvoir convaincre ton patron de t'augmenter, d'avoir une promotion, etc. Le fait de pouvoir vendre ton idée, vendre ton projet auprès d'investisseurs. Tu es une startup et tu es en train de vouloir vendre ton projet à des investisseurs qui vont potentiellement mettre du capital dans ta compagnie pour te permettre de croître. Sache une chose, c'est que la communication également, c'est une compétence à avoir. Par exemple, moi, j'ai pris des cours en public speaking, donc le fait de parler devant du monde. J'organise des conférences toutes les deux semaines avec des centaines, des milliers de personnes. Voilà, c'est une compétence à avoir. Regarde juste ma première vidéo par rapport à cette vidéo-là. Oui, j'ai encore des progrès à faire, mais tu vois, j'ai développé ces compétences-là qui me permettent aujourd'hui d'être plus à l'aise à la caméra, qui me permettent de parler devant 1000 personnes sans trembler. Et le fait de parler devant 1000 personnes sans trembler, imagine tu parles devant 1000 personnes sans trembler et à la fin tu proposes un service. Imagine tu as un service à 500 dollars, 1000 dollars, 2000 dollars, 10 000 dollars, peu importe le service, ça peut te rapporter également des revenus. Et ce type de compétences-là, tu vois, c'est, voilà, j'ai pris des cours public speaking, ça m'a coûté quand même, on va dire, un bon 15 000 dollars. Et le retour sur investissement, il est juste phénoménal. Tout comme la vente, tu peux demain apprendre à mieux vendre, apprendre à mieux servir tes prospects, à mieux servir tes clients et gagner énormément d'argent. Aujourd'hui, les formations en vente, il y en a partout. Après, il y en a des bonnes et des moins bonnes. Qu'est-ce que je veux te dire à travers cette vidéo? C'est que clairement, aujourd'hui, il faut que tu vois les choses autrement. Tu vas voir des personnes vendre des formations sur Internet. Tu vas te dire, oui, mais pourquoi ça sert à quoi de prendre une formation en ligne en fait? Et je sais parmi vous qu'il y a des personnes qui se disent, mais ça sert à quoi de prendre une formation en immobilier? Ok, dans ce cas, va investir en immobilier. Pourquoi tu regardes cette vidéo si tu sais comment investir en immobilier? Tu vois ce que je veux dire? Donc, en fait, il faut changer d'état d'esprit. Moi, aujourd'hui, quand je veux avoir une nouvelle compétence, je vais voir quelqu'un qui a cette compétence-là. Et je lui dis, écoute, moi, ce que tu fais, ça m'intéresse. Ton temps vaut de l'argent, j'en suis conscient. Dis-moi combien ça coûte de travailler avec toi et on avance. Tout simplement. Tu vois, moi c'est comme ça que je procède. Là, par exemple, j'ai le livre d'un de mes... Ouais, c'est lui. Lui, je ne sais pas si on va voir. Et lui, Dan Locke. Lui, et voilà. Et d'ailleurs, ça c'est un trophée. Black Dragon awarded for generating over $1 million in revenue. Florian Mouka. Ça, j'ai appris grâce à ce monsieur-là qui s'appelle Dan Locke, qui est un de mes coachs en marketing, en vente, etc. J'ai payé très cher. Mais tu vois, la récompense, c'est ça. Voilà le retour sur investissement, d'apprendre des compétences et d'aller chercher des connaissances auprès de personnes qui ont eu les résultats que tu souhaites avoir, tout simplement. Lui, c'est quelqu'un qui, ce monsieur dont je te parle, c'est quelqu'un qui a généré plus de 100 millions de dollars. Plus de 100 millions de dollars. Tu penses que pour lui, faire 1 million de dollars, c'est quoi? C'est un jeu d'enfant. Donc si moi, je vais vers lui, je lui dis, écoute, tu as fait 100 millions de dollars. Moi, je veux juste faire 1 million de dollars. S'il me dit, ça te coûte, ok, moi, je vais t'apprendre, mais on t'en vaut de l'argent, bien évidemment. Quelqu'un qui fait 100 millions de dollars, sois sûr que ça, il ne va pas te prendre une heure à 100 dollars. Ça coûte extrêmement cher. Je ne te dirai pas le prix, mais je te laisse imaginer. J'ai payé pour ses services, j'ai appris de ses connaissances, il m'a appris des stratégies, des raccourcis. Et voilà la récompense, regarde le retour sur investissement. Et ce que je veux te dire à travers cette vidéo, mettre ça là. À travers cette vidéo, c'est quoi? C'est que tu dois apprendre de nouvelles connaissances. Et aujourd'hui, c'est très simple, et je vais vraiment être cash avec toi. C'est que les résultats que tu as aujourd'hui, c'est la conséquence des compétences que tu n'as pas encore. Je répète, les résultats que tu as aujourd'hui, c'est uniquement la conséquence des compétences que tu n'as pas encore. Pourquoi je dis pas encore? Pourquoi? Parce que il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard d'investir en immobilier. Il n'est jamais trop tard de se lancer en entrepreneuriat. Il n'est jamais trop tard d'acquérir de nouvelles compétences en vente, en marketing, en finance, peu importe, pour pouvoir développer ses revenus. Je l'ai fait à travers l'immobilier. Je le fais également à travers
Internet. Aujourd'hui, par exemple, de par les compétences que j'ai apprises avec ce monsieur, j'ai pu tout d'abord développer mes propres activités en ligne et maintenant aider d'autres personnes à le faire. Et ça, c'est pas qu'une fois. Et c'est là où je veux en venir également avec l'immobilier. Quand tu investis en immobilier, imagine même juste, je peux te donner un ordre d'idée. On a des accompagnements qui, ça peut aller jusqu'à 10, 15 000 dollars par exemple. Okay? Imagine quelqu'un qui fait un accompagnement, il génère 1 000 dollars de loyer par mois, par exemple. En un an, c'est rentabilisé. Mais ce n'est pas que sur un an, ça va être jusqu'à la fin de ses jours. Et même pas que jusqu'à la fin de ses jours, c'est que même ses enfants vont en bénéficier. Et pas que ses enfants, ses arrière-enfants et même ses arrière-petits-enfants. Regarde juste le retour sur investissement. Donc, pour en terminer, tu dois voir les choses autrement. Oui, il y a des vendeurs de formations en ligne. Oui, je vends des formations en ligne. Mais à travers les formations, à travers les compétences, à travers les aptitudes que tu vas avoir, ça va être ça qui va te permettre d'aller chercher de nouveaux revenus. Et rien de mieux que de se faire accompagner par des personnes qui ont déjà parcouru le chemin. Tu vas avoir des livres, tu vas avoir des vidéos YouTube, tu vas avoir des formations en ligne gratuites. Tu vas avoir là, des tutos que tu vas aller trouver par-ci, par-là. Mais rien de mieux que de profiter de l'expérience de quelqu'un. En travaillant avec lui, il m'a montré des raccourcis. Je pensais faire ça, mais il m'a dit non, mais ça, je l'ai fait pendant 7 ans. Et je me suis rendu compte au bout de 7 ans que voilà comment faire mieux. Il me partage ça au bout de 1 mois, tu vois. Donc, je faisais une chose que je pensais bien. Lui me dit, c'est même pas la peine de faire ça. Moi, j'ai fait ça pendant 7 ans. Oui, c'était bien, mais voilà, au bout de 7 ans, je me suis rendu compte qu'en faisant de cette manière, ce serait encore mieux. Qu'est-ce qui vient de se passer? Je viens de gagner 7 ans. Tout simplement. Il n'y a rien de mieux que de profiter de l'expérience. C'est la raison pour laquelle, par exemple, lors de nos accompagnements, qu'est-ce qui se passe? Les personnes qui ont prévu d'acheter de l'immobilier, des fois, au bout d'un an, 2 ans, 3 ans, ils le font au bout de quelques mois. Les personnes qui veulent attendre d'épargner 30 000 dollars avant de commencer à mettre leur mise de fonds, on leur partage des stratégies qui vont leur permettre d'aller chercher l'équivalent de ce qu'ils auraient épargné en 5 ans. Ils vont le chercher en 4 semaines. Ils peuvent passer à l'action dans les 3 mois qui suivent. Retour sur investissement. Dis-moi ce que tu as pensé de cette vidéo. Dis-moi si tu comprends ce concept d'acquérir de nouvelles compétences, de nouvelles aptitudes, de nouvelles connaissances en vue du coup d'avoir un retour sur l'investissement initial que tu as fait dans ces connaissances-là. Ça peut être des livres, ça peut être des formations, ça peut être des coachings, ça peut être des accompagnements, ça peut être des masterminds où tu as des groupes d'entrepreneurs qui te permettent d'aller plus vite que ce que tu aurais fait en temps normal. Je te remercie beaucoup. Like la vidéo, partage-la. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. À très bientôt.